Abonne-toi à MySports. Derrière la cage, on va trouver Corvi encore. En bulle, il y a un homme derrière. Et c'est goal. C'est Enzo Corvi qui marque. C'est pas un buteur, hein, d'habitude. Mais alors là, Davos est entré tambour battant dans cette partie et trouve l'ouverture. Ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 60 minutes. Enzo Corvi, deuxième but des playoffs à la deuxième minute de cet acte 2. Bon travail de Vizère. On va revoir un puck envoyé au fond. Fijenoni qui est. Ça a été, c'est Vizère hein, qui récupère. Et ensuite, on va passer par Wellinger derrière la cage. Vizère pour Corvi. C'est 1-0. Joli coup d'œil du numéro 65. Puis Corvi qui n'a plus qu'à battre Jenoni malgré la pression d'Anton Lander. Sur la glace avec ce peuple qui circule bien. Jos, Egol. Egol, c'est un partout. Christian Jos qui marque en power play. 1-1. Je ne sais pas si ce puck a été dévié par Herzog qui s'était posté devant Schliemann. Me semble pas. Ouais, Jos qui avait déjà marqué. Le 1-0 à 5 contre 4. Il remet le couvert. Kovar, Hoffman. Et Jos. Et au moment où Schliemann regarde de côté là, vous allez le voir, Schliemann va se pencher pour voir partir ce shoot. Il se penche de ce côté là. Et à ce moment là, le puck file entre ses jambières. Hoffman obtient là son quatrième point. Et Kovar. Il y a Marco Müller. On préfère aller vers Hoffman qui patiente. Et Schliemann à goal. Finalement, à 15 secondes du terme, c'est Marco Müller qui met le 2-1 en power play. Sur un gros travail de Kovar et d'Hoffman. Déjà un préparateur sur le 1-1. Christian Wolven est forcément déçu. Hoffman 2 assists, Kovar 2 assists et deux buteurs différents. Chaque fois en power play, Marco Müller et puis Jos Müller qui donne quasiment la victoire à Zouk sous les sifflets de toute la patinoire. Et regardez là, Wolven qui lance. Il va être puni de 2 minutes. Il a lancé une gourde en direction des arbitres. Il en lance une deuxième. Il est hors de lui, là, le coach davosien. Il est hors de lui. On va avoir donc... Et encore une troisième gourde pour Christian Wolven qui rentre au vestiaire. Il y a des discussions pour savoir comment on va punir tout ça. On va revoir ce but. Kreis avec Kovar. On va traverser pour Hoffman qui va feinter le tir. Trouver un moyen de mettre Schliemann dans le trouble. Et puis sur le rebond. Un des rares rebonds que la défense davosienne n'a pas réussi à dégager. Eh bien, c'est Marco Müller qui vient marquer à 15 secondes du terme entre les jambes. Entre les jambes d'Eschliemann qui aura tenu tant et plus.